En tout cas, tout de suite, on accueille nos deux invités du jour, Dimitri Bois et Arnaud Hull. Bonjour Dimitri. Salut Arnaud. Salut. Je vous invite à vous installer. Vous êtes bien ? Super. Il fait bon, c'est agréable. Il fait très chaud. Ouais. Du coup, vous êtes les deux réalisateurs du documentaire Jungle, qui a été sélectionné dans le catalogue du cours à Cannes. Ouais. Un documentaire qui parle de la jungle de Calais. Mmh. Donc Dimitri Bois, gérant de la boîte de production Emergence Productions, et Arnaud qui en plus est un membre de notre équipe. Je vous propose de regarder quelques extraits de ce documentaire justement et on en parle juste après. Alors pour résumer un petit peu ce documentaire, enfin les extraits que vous venez de voir, ça a été tourné du coup de novembre 2015 à mars 2016, dans la jungle de Calais forcément. C'est un documentaire factuel, il n'y a pas d'interview, c'est vraiment que de la prise de vue image. On peut d'ailleurs retrouver ce documentaire sur YouTube, on vous mettra le lien. Alors du coup, pourquoi avoir fait ce documentaire ? Ah bah tiens, ça c'est une vraie réponse pour Arnaud. Non, c'est vrai, ça c'est l'idée originale d'Arnaud. C'est une idée originale d'Arnaud. Non, j'ai pensé une fois faire ce documentaire tout début quand on commençait à reparler de la jungle. Ça devenait un gros problème, on en entendait parler tout le temps aux infos, mais on entendait toujours parler des CRS, des débordements, etc. Et je suis du genre à croire que ce que je vois en vrai. Et je me suis dit que Calais, c'était à quoi, 2 heures de route d'ici. Mm-hmm. C'est pas très loin finalement. 2 heures de route pour aller dans le camp de réfugiés, qui était à l'époque le plus grand camp de réfugiés d'Europe. Donc 2 heures, c'était pas beaucoup. Donc je me suis dit, je vais aller là-bas pour voir. Et puis je me suis dit, vu que ma passion, c'est de filmer, de faire des courts-métrages, etc., je vais emmener une caméra et puis je vais ramener des images, des vraies images, pour montrer ça aux gens. Parce que j'étais sûr, ou presque sûr, qu'il n'y avait pas que des CRS qui tapaient sur des réfugiés, quoi. Alors justement, comment ça s'est passé pour le tournage ? Ça a dû être un tournage un peu particulier, j'imagine. Ouais, on y est allé 3 fois, en fait. Sur cette période-là, on y est allé 3 fois. 2 premières fois dans la jungle classique, j'ai envie de dire. Et la 3e fois, c'était le premier démantèlement. Mmh. Avant vraiment qu'ils commencent vraiment à tous les expulser. Et le tournage en lui-même, en fait, on s'est beaucoup approché de l'assaut l'auberge des migrants, mmh. qui nous a vraiment accueillis là-bas sur place, ouais. On le voit d'ailleurs dans le doc, on les voit un peu bosser, etc. C'est, on peut dire, une des plus grosses associations, la plus grosse, impliquée en tout cas, qui était impliquée dans la jungle à l'époque. Et c'est grâce à eux qu'on a pu aussi entrer dans la jungle, faire le tour, qui nous explique comment ça fonctionnait. Est-ce qu'on ne peut pas forcément peut-être rentrer quelqu'un de l'ombre? On peut, mais... C'est un peu particulier, du coup. Ils n'aiment pas beaucoup les étrangers. Enfin, les étrangers, les gens qui... Il faut se faire accepter, en fait. Il faut se faire accepter. Et surtout, ils n'aiment pas les journalistes. Ils n'aiment pas avoir des caméras. Donc, c'était assez compliqué, ouais. Mais vu qu'on n'est pas journaliste à la base et qu'on était là pour filmer la vérité, au fur et à mesure, on arrivait à savoir. On n'a pas eu de problème, quoi. C'était quoi, des caméras cachées ou elles étaient quand même visibles? Non, justement, au contraire, on n'était pas du tout cachés. Dès qu'ils nous disaient nos pictures, on arrêtait. Non, mais c'était important parce que c'est ce qui faisait vraiment la différence avec d'autres équipes de télé qui pouvaient être sur place, par exemple, ou des journalistes. Et puis on a pris le temps aussi de discuter avec eux. On ne le voit pas du tout dans le doc parce qu'on n'a pas voulu d'interview. On ne voulait pas faire pleurer pour faire pleurer ou tirer une larme. On ne voulait pas non plus prendre une vraie position, de se dire, tiens, bah... c'est inadmissible, ou alors bah, c'est cool, ou voilà, c'est comme ça. C'est de montrer les choses telles quelles. Voilà, et puis après, c'est-à-dire qu'on a placé nos caméras comme si n'importe qui allait dans la jungle et voilà, découvrait devant leurs yeux en fait, ce qu'il y avait, et c'est exactement ce qu'on a fait, quoi. On essaie d'être le plus factuel possible, même si on le sait très bien. La musique joue aussi, le montage,
Mais on a essayé de retranscrire réellement ce qu'on a vu, quoi. Alors justement, qui s'est occupé de la musique? Parce que c'est aussi un parti pris intéressant, la musique. C'est Rémo, c'est un artiste rémois. On cherchait un artiste pour faire de la musique. On voulait quelque chose musical et uniquement musical. Et on s'est dit, tant qu'à faire, on va prendre... Quelqu'un du coin. Quelqu'un du coin, ouais. On est deux Rémois qui allons à Cannes, qui allons à la jungle de Calais. On s'est dit que le musicien devait venir d'ici aussi. Alors justement, comment on fait pour être sélectionné à Cannes avec un documentaire comme ça? Comment se passe la sélection même? En fait, vraiment, c'est tout simple. Hein. Ça se fait en ligne. C'est quoi, 85 euros? Faut parler argent parce que c'est là où ça va devenir intéressant. En fait, t'inscris ton cours pour 85 euros en ligne, c'est bien fait, ils ont un super beau site. Et puis t'attends. T'attends assez longtemps, d'ailleurs suffisamment, très longtemps. Et à un moment, tu reçois un mail où ils te disent « Oui, vous êtes sélectionné pour faire partie du catalogue, des cours présents au short film, corner, etc. » Tu reçois un mail qui te dit que tu n'es pas sélectionné. Ah oui. Ah oui, parce que oui, en sélection officielle. Parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a la sélection officielle et le catalogue où sont tous les courts-métrages retenus, en tout cas pour être dans le catalogue. Et là, ils ont un très très beau corner, hein, quand on le voit un petit peu dans le... On va le regarder juste après. Dans le log, on verra peut-être certainement après. Et ça, voilà, c'est 85 euros, c'est tout. Et voilà, ça suffit. Sachant que maintenant, en sélection, il y a quoi? Il y a 9 films courts sélectionnés. Il y en avait un français, c'était un film d'animation. Tout le reste, c'est des films étrangers. Mm-hmm. Et donc, autant dire que ceux qui espèrent réaliser un court et ce qui soit en sélection officielle, en tout cas au Festival de Cannes, c'est mort d'avance, quoi. Ok, bah écoutez, moi je vous invite tout de suite à regarder quelques images. Ils ont réalisé un blog sur place. On regarde un petit peu l'ambiance du Festival de Cannes. Voilà, il est midi, on est à Charles de Gaulle. On quitte le TGV et on va prendre l'avion direction Cannes. Ouais. 9h moins le quart sur la croisette. C'est parti pour retirer les accréditations. Accréditation en main, plus qu'à attendre les invitations pour les projections. Fermeture de l'accès à 8h, donc il faut être là au moins une heure avant pour faire la queue pour réussir à rentrer. C'est pas parce que t'as les invites qu'il faut pas faire la queue. C'est pas parce que t'as le badge que tu vois des films. Le 70e anniversaire du Festival de Cannes, ça n'arrête pas. D'ailleurs, on était une petite dizaine. Et là, il y a du monde. Il y a même Lambert Wilson qui fume sa clope là-bas. La deuxième, d'ailleurs, pour pas dénoncer. Oui, David Lynch. La loose qui est pas l'affiche. La loose, ils ont pas mis notre affiche. Ah oui, voilà. J'ai rajouté. Bah, c'est une affiche. C'est une affiche. Très très beau catalogue avec tous les cours. On peut dire qu'on fait partie du catalogue des courts-métrages du 70e Festival de Cannes. On va faire un essai avec le talent Arnaud Hull. On va voir si ça s'affiche en grand. Donc si ça s'affiche pas, c'est-à-dire qu'Arnaud n'a pas de talent. Et vraiment dans la partie du marché du film, c'est là où il y a tous les producteurs, salles de ciné. C'est vraiment le marché international du film, avec un beau corner sur le Japon. Petite dédicace à Greg, qui a quand même fait le montage du doc Jungle. Il est 20h45, on part de Mandelieu pour rejoindre La Croisette. Une séance prévue à 23h, film coréen qui a l'air bien sympa au niveau du scénar. Plan renforcé aujourd'hui au niveau sécurité. C'est un petit peu... ça devrait le faire si on arrive à accéder au parking du Palais des Festivals. Voilà, on est dans la file d'attente là. On se dirige, comme on vous l'a dit, vers la montée des marches pour la projection de Bulandang, film coréen. Du film est encore là, c'est très sympa, vous le voyez en live.
La salle Louis Lumière se vide petit à petit. Demain, séance à 8h30. Je vous laisse terminer et j'allais me coucher sur ces quelques images. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là avec la voiture? Avec la voiture? Ouais, il y a eu un accident, un chien, une femme, je ne sais pas. Non, ça a été monté en partie par Greg et un stagiaire de Saint-Jean. Et quand nous avions en voiture, il a fait la petite blague, c'est de la post-prod, hein, il n'y a pas eu d'animaux blessés pendant le tournage. Ok, alors, pour la suite des aventures, est-ce que vous avez des projets communs, séparés? Qu'est-ce qui va se passer? Pour l'instant, rien de prévu. Peut-être retourner à Calais. Ah, j'y pense. Peut-être. Oui, moi aussi, j'y pense. Je pense que ça a bien changé. C'est en train doucement de se réinstaller en plus, non? Pour l'instant, il n'y a plus de jungle. À part quelques tentes qui traînent par-ci par-là, mais les réfugiés sont surtout dans la ville maintenant ou planqués dans la forêt. J'apporte une petite précision qui est quand même super importante, c'est qu'on dit jungle, on a l'impression que voilà, c'est des animaux, des machins. C'est eux qui se sont nommés comme ça. Oui. C'est pas nous qui utilisons le mot jungle pour dire voilà, c'est comme des bêtes, etc. C'est eux qui ont donné le nom jungle à l'endroit où ils étaient à Calais. Voilà. Quand tu débarques là-bas et tu vois des tentes quechua, dans le vent, dans la flotte, dans la boue. En fait, à un moment, tu es là et tu te dis « Ah bah merde, putain, il y a des gens dedans, en fait. » Et en fait, parce que tu les vois pas. Et ils sont 3, 4, il y a des gamins. Enfin, donc c'est terrible, vraiment c'est terrible. Et en fait, ils se démerdent. Il y a des rues, on en voit, ils ont ouvert leur petite boutique. Enfin, c'est une vraie ville. Là, maintenant, il n'y a plus rien. C'était même une très grosse ville, puisqu'au plus fort, il y avait 10 000 personnes là-dedans. Oui, quand même. C'est une très grosse ville. Hein. Et c'était compartimenté, voilà, t'avais les Blacks d'un côté, les Syriens d'un autre, enfin voilà, c'était vraiment les Afghans d'un... Enfin, toi, t'as des quartiers, etc. Enfin, c'est immense. C'est vraiment immense. Alors, et justement, genre, si vous deviez définir ce film en un mot C'est dur, ça. Jungle. Comment? Jungle. Il est malin. On l'a fait dans le titre, pourquoi tu poses la question? C'est vrai qu'on s'est fait chier à pas mettre un petit truc, on n'a pas mis la jungle, tu vois. Ouais. Jungle parce qu'en fait, en plus, on le voit dans le doc, c'est un vrai tag qui a été fait par eux en fait sur une des tentes. Et du coup, on a repris la typo du tag pour en faire le titre en fait. Donc c'est vraiment un mot qui correspond bien à tout ce qu'il peut y avoir là-bas. Écoutez, merci beaucoup à vous deux, en tout merci cas d'être passés sur notre plateau. Et bonne continuation pour vos futurs projets. On vous suivra.